Bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir comment enlever et changer le pignon d'entraînement de la pompe à huile sur le moteur. Le pignon, le voilà, le neuf, et le vieux il est là-bas sur place, on va s'occuper de le démonter. Donc apparemment c'est un pignon qui se lève à la chope, d'après ce que j'ai vu sur la revue technique. Allez, déjà on envoie le charbon. Allez, donc on doit le chauffer à 200 degrés. Quand il va commencer à tourner, là, à ce moment-là, je pourrais me dire, je suis peut-être à 1200 degrés. On peut tenir la chaleur en la faisant bien tourner. Alors, commence à venir, ne fais pas encore ça. Alors bien sûr, il ne faut pas la poser sur du carton, ça prendrait feu. Il ne faut pas la poser sur du carton, ni sur un truc inflammable en fait, voilà. Donc la pièce, c'est la bonne. On a réussi à l'enlever. Voilà. Le repère. C'était ici, c'est comme cela. Et là, je voudrais bien le remonter, mais avant, je voudrais nettoyer aussi. Donc, on va commencer à nettoyer l'endroit. Alors, ça là. Alors, on va prendre un peu d'eau qu'on va jeter dessus. Voilà. Bien entendu, surtout pas toucher un menu avec des gants en plastique de surcroît. Si on veut vérifier si la pièce a séché, il suffit d'enlever les gants. Enfin, si elle a refroidi, pardon. Voilà. Toujours enlever les gants. Et voilà. On va changer le pignon. Là aussi, je vais prendre ma brosse métallique, ma toile MEI. Et je vais tout nettoyer avant de tout remonter. En me rappelant bien entendu que c'est hyper chaud. Donc, on va y aller en douceur. Voilà. Ici déjà, à ce niveau-là, on va nettoyer. Voilà. Ici, non mais bon, reste plus que là. Voilà, ça c'est la première étape. Donc on voit que là il y a un petit épaulement et cet épaulement qui va coincer la pièce. Donc on va poser la nouvelle. Faites attention à ne pas se brûler parce que la pièce là est encore chaude. Voilà. Voilà. Ici, comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est le sens qu'elle avait. Maintenant, c'est là pour la rentrée. C'est parti. Allez, on sort uniforme.
voilà. Eh bien, lui-là, voilà. Voilà, le pignon est en place. Voilà. Là, il faut laisser tout refroidir.